Je m'appelle Étienne Bertrand, je suis vigneron à Bagnols-la-Fosse et président de CAPC, une association bénévole qui organise entre autres chaque année la route du champagne et le champagne vert. Plutôt thé. Plutôt lundi. Comme ça, plutôt pied sur terre, même parfois pied dans la terre, c'est mon métier. Aube, parce que c'est le matin que tout commence et il y a une lumière formidable. Alors, bleu pour l'Estac et or pour le champagne. Là, c'est un peu dur. Moi, j'aime beaucoup le beau positionnement des foires de champagne et je dirais donc Biolu. Nigloland, je crois que c'est le troisième meilleur parc européen. Vous posez cette question à moi. Champagne, ouais, champagne. Chaours, le Chaours fait cette année les 50 ans de l'AOC. Renoir pour les couleurs. Alors, félicitations au Suma pour son titre, mais l'Estac à jamais. Corrida de Noël, c'est génial, c'est festif, c'est convivial. Et puis, le semi-marathon, moi je suis incapable. Cœur, le cœur c'est la fontaine de Trévis. VTT à travers le circuit des Cadoles par exemple. Plutôt cristal, parce qu'il faut vivre l'expérience du soufflage de sa boule de Noël. Le plateau de Blu, c'est un magnifique point de vue, le plus beau point de vue du vignoble champenois. Qu'il devienne un lieu incontournable de l'homotourisme. On a tout pour le faire. Mon rêve le plus fou, je sais pas, peut-être d'exporter la route du champagne à New York comme on fait les Alsaciens avec le marché de Noël.